/NQC Bro Gamers, aujourd'hui on se retrouve pour un autre opening, mais un mini opening. Parce que la boutique Tabletop aujourd'hui faisait un rabais sur le May the 4th be with you. Fait que tous les produits Star Wars avaient un rabais. Aujourd'hui on se retrouve pour un opening de Star Wars X-Wing. C'est pas une surprise, y'a rien de surprise, c'est juste pour vous montrer la beauté de la chose. Fait que on va commencer ça tout de suite, let's go! Fait en fait c'est ça, X-Wing, un petit jeu de stratégie comme ça avec des petites figurines. Comme ça, fait que on va ouvrir sans rien couper. À moins qu'il y avait un autre moyen de l'ouvrir, mais. Ow! Je me suis pincé la peau avec les ciseaux. Et boy, hein. Tiens, ça. J'imagine là-dedans, il y a toutes les cartes. De bombing. Ici, t'en as des. C'est la base. On va la faire. Je vais la monter en vidéo. Là. Je vais tasser les ciseaux. Bon, désolé, j'ai fait pause juste pour sortir parce qu'elle ne voulait pas sortir. Fait que je voulais pas perdre trop de temps. Puis ça, t'as des cartes, des vaisseaux comme ça. J'imagine que tu peux le jouer de différentes façons. Comme trois cartes comme ça. Ici. Ouais. Puis ça, c'est comme les bases. Ça, c'est la roue qu'il faut construire. Ok, ok. Ça, c'est la base des vaisseaux. Ok, de chaque. Fait que tu peux faire plus qu'une base comme ça. Ok, ok. On va sortir la pièce de résistance. Piece of resistance. Comme les Anglais diraient. Comme ça. On va la mettre de côté. On va l'observer après. Ici, on a. Ok, pour la roulette. Ici, on va tasser les cochonneries. Oups, ça, c'est pas une cochonnerie. Ça, oui, pourquoi je l'ai repris? Ah, puis ça, c'est les bases. Et une base, ok. Fait que là, tu peux choisir, dans le fond, la pièce que tu veux. Mais par exemple, moi, je vais mettre telle. Parce que je connais rien, mais rien à X-Wing. Quand je dis que je connais rien à HeroClix, ben, X-Wing, c'est encore pire. J'ai joué une ou deux fois, j'ai vraiment aimé, j'aime le concept, mais j'ai vraiment pas plus joué que ça. Ok, puis là, je mets ça là-dedans. Attendez, ok, ouais, de même, ça va être long, je vais bien faire, et voilà, regardez. La belle pièce. Puis là, t'as des attaques, des défenses, etc. Là, pour le moment, je peux pas jouer. Je peux pas jouer avec un affaire. Puis je peux pas jouer parce que j'ai pas le starter set. Puis j'ai pas de dé, puis tout. Fait que là, regarde, je vais mettre sur pause. Du coup, ça va pas paraître, mais je vais faire la petite roulette pour vous montrer un peu ce que c'est. Et voilà, la chose assemblée, c'est que dans le fond, tu prévois tes moves comme ça. Puis regarde ça, c'est vers l'avant. Puis normalement, t'as des affaires. Mais comme je vous dis, je les ai pas. Sûrement dans des prochaines vidéos. Comme ça, ça prévoit ton mouvement, comme des choses comme ça. C'est vraiment, mais vraiment, j'adore juste les figurines. Mettons, tu joues pas, là, juste avoir la figurine, là, sont vraiment bien faites. Il y en a des plus grosses. Ça, c'est minuscule. Là, regardez ma main. Là. Il y en a des plus grosses que j'ai fait acheter. C'était à peu près environ ça ou ça. Puis c'est le Slave One. Il y en a encore plus gros, puis il y en a des massifs, là, genre aussi gros que mon bras, probablement. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Fait que c'est ça qui était le petit opening de Star Wars X-Wing. Il va probablement en avoir d'autres, mais moins, parce que c'est beaucoup plus cher. C'est pas cher où ce que je les achète, fait qu'à la boutique Tabletop. Mais c'est plus cher que, par exemple, HeroClix ou Yu-Gi-Oh! Ou autre. Parce que
Parce que ça, je n'ai pas assez pour jouer juste avec ça. Mais pour commencer, c'est cher. Quand tu as déjà commencé, c'est moins pire. Mais pour commencer, c'est plus cher parce que juste ça, c'est le moins cher où est-ce que je l'ai acheté. À la boutique Tabletop, comme tout le temps, je vais tout le temps là. C'est le moins cher, puis c'était 19$. Mais là, aujourd'hui, il y avait un rabais. Fait que je l'ai eu en rabais. Mais normalement, c'est prix régulier, c'est 19$. Puis ailleurs, tu peux peut-être le retrouver à, je sais pas, peut-être 24. J'en sais rien, mais je sais qu'il est vraiment. Il est moins cher. Il est moins cher qu'ailleurs. Je veux te dire, il est moins cher qu'ailleurs. Mais c'est ça. Fait que c'est ça qui va avoir été la petite vidéo. On s'abonne, on partage, puis on like. Merci. Ciao. Peace.